n'aurais pas pu tenir cet endroit sans toi, tu sais. Intelligent ton chien. On dirait un dauphin poilu. Zip me saoule avec ses théories du complot. Mais s'il nous ouvre les portes de sa planque d'explosifs, je veux bien le laisser raconter tout ce qu'il veut. Il doit être dans son ranch. Thank you.
expert. On fait l'expérience. C'est un poison qui pollue l'esprit. Si je vous disais qu'une délivrance est possible, si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles, si je vous disais que toutes les épreuves... Personne voulait m'écouter, mais je savais que la SEC produisait de la drogue dans l'usine d'engrais depuis des années. Et maintenant, ils mettent cette saloperie dans l'eau. Vous devez les arrêter. Pasteur Jérôme. Mademoiselle, j'ai une petite question pour vous. J'ai déjà été dans des situations très limites, mais jamais à ce point. Bon sang! On crèverait tous de faim si ça tenait qu'à la secte. Savoir chasser pour se nourrir. Mm-hmm.
Couvre-moi! Il va rien voir venir! Il va plus tarder, attention! Allez, on va la voir! Thank you.
toutes les routes qui mènent à Fosen. Il doit pas passer. Reach to the moon.
vous en avez pris soin, rassurez-moi. Je dois dire que revoir le camion de mon père, ça me rappelle pas mal de bons souvenirs. Je me tenais ici chaque fois qu'il rentrait à la maison, comme aujourd'hui, et je lui faisais coucou. Vous avez assez de cran pour le conduire. Mais surtout, vous avez du courage. Vous auriez plu à mon père. Si jamais vous avez besoin d'utiliser le Widowmaker, n'hésitez pas. En attendant, je vais rester à l'affût. Si j'entends quelque chose d'intéressant, je vous fais signe. Merci encore, officier. Officier, je sais qu'on est loin d'en avoir fini, mais tes exploits redonnent un peu d'espoir et d'inspiration à la résistance. Les gens viennent me voir en masse pour proposer leur aide dans notre combat. Salut, jeune fille. Ce n'est plus qu'une question de temps, ne t'en fais pas. Nous allons nous débarrasser de John Seed et sauver Hudson. C'est le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Une vraie dame, ça aura jamais trop de flingues. J'ai aucune envie de parler de ça maintenant. Quand mes parents ont acheté ce bar, ils envisageaient pas du tout d'avoir des gamins. Ils étaient jeunes et amoureux, et ils aimaient tellement faire la fête qu'ils se sont dit « Quoi de mieux qu'un vieux saloon déglingué pour fonder une famille ?» Je sais bien que pour la plupart des gens, c'est complètement dingue d'élever ses enfants derrière le zinc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement ? Merci mille fois. Les fusils ne sont que l'évolution du feu, des bâtons et des pierres. Le guerrier n'a pas changé. Alors ça, c'est dingue. Les choses commencent à revenir à la normale, à Fauzen. Je vous remercierai jamais assez de nous avoir débarrassés de ces salauds. J'ai prié de toutes mes forces pour cet endroit. Quelqu'un a dû m'entendre. J'avais dit aux Laurel de pas construire leur bunker aussi près de l'eau. Il est constamment inondé. À quoi ça sert d'avoir tout ce matos si on peut pas l'atteindre ? Officier, j'ai des informations importantes. On vous est tous vraiment reconnaissants. J'ai encore besoin de ton aide. Les gens que tu as sauvés à l'élevage Woodson m'ont parlé d'un transfuge. Il s'est réfugié auprès de la résistance au camping de Silver Lake. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Je ne sais pas quand le Seigneur me soulagera du fardeau de tous ces blessés. Va au camping de Silver Lake et assure-toi que ce garçon est sain et sauf. Nous devons être ouverts au pardon. Sinon, nous ne valons pas mieux qu'Eden's Gate. Vous êtes incroyable.
J'arrive. Elle est sauvée. Que le spectacle commence. De Clutch Nixon approche à grands pas. Quand tu voudras. Et aucune célébration officielle n'a encore été annoncée. Quel malheur qu'un si grand homme sombre dans l'oubli. Cette ville a beaucoup souffert. Apprécier ces cascades de folie de leur enfance. Et pas seulement dans Montana, dans tout le pays. Je change de position. Je vais là-bas.
ils vont, ils en auront plus besoin. Faut avouer que c'est pas une mauvaise idée. Quand John a foutu la trouille à tout le monde à Folzen, le pasteur Jérôme a calmé la population. C'est un rock, ce type. Vraiment t'y prendre. À point à qui c'est attendre. Oh.
es-tu prête à te confesser ? Je change de position. Je bouge. Merde! Je m'en fous. Merci. Je change de position. J'en reviens pas que la secte me soit tombée dessus comme ça. John a une petite armée pour surveiller son ranch et la piste. Ce serait une grande victoire pour la résistance si on retournait ses joujoux contre lui. À plus tard. Je pouvais choisir tes traces les week-ends. Ce serait le paradis. Encore une belle journée à Oakland. Sûrement, mais il y a quand même plus urgent. Je bouge.
C'est ma mission. J'ai vu ce que les cinglés ont fait chez Mademoiselle Armstrong. J'espère qu'ils ont... Après ça, j'ai vu ce que les cinglés ont fait chez Mademoiselle Armstrong. J'espère qu'ils n'ont pas réussi à entrer dans son bunker. Ils ont déjà assez d'armes comme ça. C'est pour le bien de tous. De ce que je comprends, ils sont à deux doigts de vous ériger une statue à Fall's End. Il paraît que John a raflé Hudson. Ça va pas bien se passer pour elle, c'est sûr. Elle a besoin d'aide. Ok, j'ai tous mes morceaux et surtout au bon endroit. J'ai réussi à réparer mon vieux détecteur. Paquet de chasseurs qui ont déjà croisé un match. Pareil que vous avez aidé les gens de Fall's End. Et pour ça, je vous remercie. Et si on fait le mort pendant le baptême? Tu penses qu'ils se débarrassent de nous ou qu'ils tentent de nous réanimer au risque de rendre ça gênant? C'est bon de respirer l'air pur. Ouais, c'est bien, mais combien de temps ça va durer?
Non, mais j'en reviens pas. Je suis prête, allons-y.
Merci du coup de main à False Hand. Je vais là-bas. Putain de merde ! Protégez-moi ! Grace, l'une de nos snipers est encerclée à l'église Lamb of God. Elle va en tuer un maximum avant qu'il la déloge, mais elle aura besoin d'aide. C'est pas passé loin. Faut avouer que c'est pas une mauvaise idée. Merci beaucoup. Heureusement que je sais encore me battre. Merci. Je te jure que je me battrai jusqu'au bout. Je vais tout déglinguer. Je suis dans la merde, là! On est prisonniers! Putain, on est prisonniers! Je vais buter ce fils de pute de John Seed, ça va pas faire un pli. Vous avez vu ces cinglés piquer mon avion? Faut que je le retrouve! C'est notre seule chance de nous tirer! Je m'en chargerai bien, mais ma femme est sur le point d'accoucher. Je sais pas vraiment quoi faire. Sérieusement, sans cet avion, on est juste foutus! Pitié. Ma famille a besoin de votre aide. Désolé. Faut que je maîtrise mes émotions. Je m'appelle Nick, au fait. Écoutez, je connais cet arrêt. Mon avion doit être au ranch de John Seed. C'est la seule autre piste assez longue pour lui dans le coin. Je sais, c'est beaucoup demandé, mais... j'ai pas le choix, partenaire.
cible. Kim, Nick. D'habitude, je déteste fourrer mon nez dans les affaires des autres, mais... il faut que je parle. J'ai jamais aimé Heaven's Gate. Et je sais que vous non plus. Vous devez penser à votre famille. Je sais que vous avez une vie ici et tout, mais... ma famille et moi, on va partir avant que ça tourne mal. Il paraît que les flics commencent à s'en mêler. Et je tiens pas à être là pour voir ça. Vous avez un avion. Faites vos valises et partez. Je vais là-bas. Voilà, c'est tout. Dieu vous garde. En attente. C'était quoi ?
c'est pour le bien de tous. Hé ! Dans le clocher ! C'est pas mal d'avoir une cause à défendre dans la vie. Là-haut ! D'aussi loin que je me souvienne, la secte a toujours contrôlé la gare de triage. Je sais pas ce qu'ils faisaient de tout ce métal à l'époque. Mais je crois qu'ils s'en servent pour fabriquer des cages maintenant. Putain de merde. J'espère que t'as trouvé un truc utile. Si John perd son calme, c'est qu'on se rapproche nettement de la victoire. Juste en bas ! Hé ! Dans le clocher ! Là-haut ! Officier, c'est vous ? Je suis dans le clocher! Oh merde. Je vais là-bas. C'est vous que les cinglés cherchent partout, non ? Dites, vous savez bien viser ? Je m'appelle Grace. J'ai entendu dire que quelqu'un pourrissait la vie des cinglés. Vous tombez à pic. Vous voyez ces tombes là en bas ? C'est celle de héros de la guerre. Mon père en fait partie. Ces cinglés veulent les profaner. Ils essaient d'effacer notre histoire, de nous casser le moral, pour qu'on cède et qu'on se laisse s'écraser. Mais pas question. Tant que je serai en vie, personne touchera la tombe de mon père. Je suis bonne tireuse, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me couvrir. Ils seront bientôt là. Au sud-est. En avant.
Je bouge. Merde! Ils ont tué! Allez, faut qu'on se bouge!
c'est qu'un abus. Vous avez entendu? Oh mon Dieu! Je me déplace! Hé, hey, officier, vous êtes en vie? Vous êtes où? Heureusement que je sais encore me battre. Une petite victoire. Je me concentre sur la cible. Je vais la... Je leur fonce dessus. Je suis là. Merci pour ça. Vous avez un moment? Je vous en vaudrai ça. Y a pas grand monde qui aurait pris un risque pareil. Je l'oublierai pas. Comme disait mon père, tant qu'on continue de croire les uns en les autres, y a toujours un espoir. Si on serre les coudes et qu'on s'entraide, les cinglés gagneront jamais. Bon, on va pas sortir les violons non plus. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je serai là. Appelé à tes côtés. J'ai besoin d'aide. John Seed s'est dit que ça m'énerverait de le voir toucher autant que des vétérans. Officier, tu t'es bien amusé. Mais tous les pêcheurs doivent se confesser. Telle est la volonté du père. Mes hommes viennent te chercher. Nous nous verrons bientôt. John a bien l'intention d'enfoncer ses crochets dans ta carcasse. Je sais que tu lui as déjà échappé in extremis la dernière fois, mais ne sous-estime pas ce salopard. Il a bien besoin d'un terminé. Coup de main. Change de place. Thank you.
personne ne baisse les bras. Alléluia. C'était un putain de combat. Debout, hérétique. Ça serait plus simple de la buter direct. Non, ce n'est pas la volonté du père. Amène-la, John. Il est prêt à entendre sa confession. M'avoir enseigné le pouvoir du oui. Une nuit, ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont jeté à terre et j'ai expérimenté la douleur encore et encore et encore. J'ai cru atteindre les limites de ma résistance, mais non. Je me suis comme libéré à l'intérieur. Je n'avais plus peur, je voyais clair. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. Oui. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. J'ai ouvert chacun de mes ports un à un, et une fois rempli, j'en ai créé d'autres. Mais c'est Joseph qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais toujours, je recevais. Le plus beau don n'est pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on fait. Et pour ça, il faut du courage. Le courage d'admettre ses péchés. Pour les graver dans sa chair, supporter tout leur poids. Et après tant de souffrances, quand vous commencez à expier, les arracher tel un cancer et les brandir aux cieux de... Ça, c'est du courage. Je vais vous enseigner le courage. Vous allez apprendre à dire oui pour que vous affrontiez vos faiblesses, pour que vous affrontiez vos péchés. Vous franchirez un océan de douleur pour être libre. Et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez expier vos fautes. Bon, par qui je commence ? Par qui ? Oui ! Oui ! Tu ne le regretteras pas. C'est promis. Mais avant de commencer, je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Une confession se doit d'être privée après. Je ne vais pas te prendre la vie, je vais plutôt te la rendre. Je vais t'ouvrir en deux pour déverser tes frayeurs et ce faisant.
se dévoileront un à un. Ce n'est qu'à cet instant que tu comprendras vraiment le pouvoir du oui. Je reviens tout de suite. Merci John de m'avoir purgé de mes péchés. J'ai compris que c'était eux qui m'empêchaient d'être l'homme que je voulais être. Je vous remercie de m'avoir... Fais quelque chose de voir autant de ressources à revenir. Taisez-vous. Du calme. Vous n'avez plus rien à craindre. C'est bon, fusil. En regardant dans votre cœur, en exposant nos pardons à la lumière. Ferme cette cellule. C'est pas juste. Vous pouvez pas faire ça. J'ai peur. J'ai peur. Ferme la porte. On doit le. Alors je vais te sauver, officier Hudson. Je vais te libérer de ce fardeau. T'aider à te confesser. Il leur faut des lits et des oreillers. Je vais nous inviter. J'ai pas de pas de traitement de faveur. Dans tous ces causes, je suis l'air. Je lui parlerai. Nous leur offrons à tous la même chose. Parce qu'on cherche à les sauver. Exactement. Qui sont maintenant. Après l'effondrement, ils nous remercieront. Ils nous pardonneront pour la peur et la douleur infligées. Ouais, ils acceptent. Ça pourrait être pire, tu sais. Ici, tu as juste à te confesser. À l'est, par contre, disons qu'un excès de grâce peut te monter à la tête. Face a créé des anges, mais on ne peut pas dire qu'elle en prenne grand soin. C'est pas possible! Je ne veux pas mourir ici, pitié! Yeah.
Allez, fais. Laissez-moi sortir de là. Ma fille est toute seule. Vous voulez que j'explique mes péchés? Je le fais, vous promis. Waouh, pas dégueu, le bon cœur de John. Libérez les anges!
qu'ils se repaissent de leurs péchés, qu'ils s'étouffent avec. Les anges sont là. Laissez tomber, officier. Ton péché te consume. Il occulte les douleurs que tu infliges. Il t'autorise à sacrifier des vies humaines sans peine. Est-ce que tu te rends seulement compte des crimes que tu commets ? Elle a aucune chance. Chassez l'hérétique hors d'ici. Laissez-la s'enfuir. Laissez-la se cacher. Peu importe où elle va, Dieu nous aidera à la retrouver. Vous voyez ? C'est le pouvoir du oui. Tu n'as plus rien à faire ici, officier. Je viendrai m'occuper de toi quand tu seras prête. Mais t'étais où, bordel? Ça fait plusieurs fois que j'essaye de te contacter. Il paraît que John t'a chopé, j'ai vraiment eu la trouille. Je suis content que tu t'en sois sorti. Je suis désolé pour Hudson. Mais on peut pas faire grand-chose sans la clé de John. Tu vas devoir la tirer dans un piège. La meilleure façon de faire ça, c'est de foutre en l'air la totalité de son opération. Donc à toi de jouer.
Des gens, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Les fanatiques baptisent des gens à la sacristie. Ou plutôt, ils les noient. On a essayé de les tuer, mais ils nous ont chopés. Maintenant, la secte a mon équipe. Et ils sont trop nombreux pour moi toute seule. Libère mes amis et amène-les jusqu'à une cache d'armes de l'autre côté de la rivière. C'est bien fait d'acheter un nouveau fusil. Petite, on va te choper! Meilleur angle. Vous avez vu les câbles qui partent de la tour de guet? Je
pense pas que ce soit la secte qui les a installés. Je me demande où ils mènent. Ça fait du bien de voir. Je vous remercierai jamais assez de nous avoir débarrassés de ces salauds. Oh mon Dieu, j'ai trop hâte de remanger au Spreadigle. Fanatique. J'ai un souci, couvrez-moi. Je suis mal placé, je bouge. Ennemi en visuel. Toujours en vie.
trouve un meilleur angle. Peut-être quelque chose d'utile. Ça fait du bien de souffler. Je pense qu'il se relèvera pas. Un ennemi. C'est à qui le tour ? Des cibles ! Et encore. J'avais organisé une jolie parade ici après ma médaille de bronze. Le cauchemar, j'ai horreur des grandes fêtes. Eden's Gate se prépare. C'est toujours dangereux de se battre contre quelqu'un qui a rien à perdre. Je bouge pour trouver une meilleure vue. Change de position. Je peux rien faire. Change de place.
merde. Change de position. Je peux rien faire d'où je suis. Madame, m'obligez pas à sévir. Je m'en tirerai dessus. N'enlève pas. Je bouge pour trouver une meilleure vue. On a des tarés. Heureusement que t'es là, franchement. Change de position. Je peux rien faire d'où je suis. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. On m'a dit que les tarés traînaient du côté de chez les O'Hara et qu'ils essayaient de s'introduire dans la maison hantée. Il n'y a qu'une seule raison qui pourrait les pousser à faire ça, le matos. Allons-y avant eux. J'ai choisi le putain de mon jour pour arrêter de boire. Au
autant récupérer tout ça. Change de place. Ok, j'y vais. Je peux pas rester là. Je bouge. Ennemi en visuel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Je ne sais jamais sur quoi on peut tomber.
passé. Je bouge. Grace, t'es là? Réponds. Oh, si tu m'entends, fiche le camp, t'as compris? Les fanatiques chassent les gens comme toi. Les gens qui savent se servir d'une arme. Ils débarquent au milieu de la nuit et ils brûlent leur maison. Je sais que tu veux leur tenir tête. Mais pitié, écoute-moi. Ne le fais pas. Tu dois partir. J'espère que t'auras ce message à temps. Je bouge pour trouver une meilleure vue. Un ennemi. Je change de position. Tout ce qui me reste, c'est la prière. J'ai repéré. Mon cousin dit que la secte s'intéresse à la vieille mine de Wellington. Je croyais qu'elle était épuisée. Je me demande ce qu'ils ont trouvé là-bas. Tu parles d'une ville. Peut-être quelque chose d'utile. J'espère que tu conduis mieux que tu tires. Je plaisante. C'est pour avoir l'air plus sympa. Aucune loyauté. Ils suivent juste les cides. Si on coupe la tête, on gagne.
Je me déplace. On peut le faire. Je l'ai eu. Je trouve un meilleur angle. Pour toi. Il va pleuvoir du feu sacré. Mon avion se fait défoncer. Tu peux rien contre moi. Si t'étais pas venu dans le coin, on sait pas ce qui serait passé. Merde ! Je change de position ! Je suis mal placé.
On se voit plus tard. Gentil toutou, Boomer. Thank you.